Jean-Claude Van Damme et Gladys Portugues tournent officiellement une page de leur vie. Rencontrés au début des années 80, l'acteur de 54 ans et la bodybuildeuse de 57 ans s'étaient mariés une première fois en 1986, avant de divorcer en 1993. De cette union étaient nés deux enfants, Bianca, 24 ans, et Christophe, 27 ans, aujourd'hui comédien. Séparé quelques années, le couple s'était finalement accordé une seconde chance, profitant de cette réconciliation pour se redire, oui, en 1999. Un second mariage qui a tenu 16 ans. D'après TMZ et Peuple, la duo a rompu le 7 mars dernier. La femme de la star de Karate Tiger serait à l'initiative de cette séparation, après avoir déposé une demande de divorce auprès de la cour de Los Angeles il y a quelques jours. Dans ses papiers, Gladys Portugues cite ainsi des « différends irréconciliables », demandant notamment à ce qu'une pension alimentaire lui soit versée chaque mois. Elle y mentionne également son souhait de retrouver son nom de jeune fille, et d'abandonner le nom de JCVD, qui n'est autre que Van Varenberg.